Bien voilà pour moi ma dernière leçon de la nuit, de cette nuit. Chaque fois d'ailleurs, un petit peu de chacune des nuits là depuis 20 ans, c'est un peu comme un orgue. Chaque leçon correspond à un cours que j'ai donné. Donc vous voyez, c'est très abrégé et chaque fois je tire des jeux et c'est sur les registres, les grands registres sont toujours les mêmes, mais je tire des jeux légèrement différents chaque fois parce qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé dans le contexte. Et alors ça fait des petites variations. Et c'est vrai que j'ai l'impression que cette fois-ci, j'ai été occupé davantage que jadis, que les autres fois, par le thème de la mort, je crois. Par le thème de cette fuite du monde aussi. Par ce thème de la peur de cette gnose. D'ailleurs, c'est certainement un sujet qu'il faudrait que je retravaille par rapport à Hans Jonas, qui était un grand spécialiste de la gnose. Je crois que nous avons un problème avec la mort. Parce que, justement, nous sommes dans un monde où nous avons fait collectivement beaucoup d'enfants. Je ne sais pas combien il y avait de... quelle était la population mondiale en 1953 quand je suis né, mais par rapport à aujourd'hui, c'est pas comparable. Et c'est magnifique. Mais en même temps, beaucoup de naissances, ça voudra dire beaucoup de morts. Bon. Et je me dis que certaines de ces morts vont être brutales. Pour des raisons diverses, je ne veux pas revenir dessus, et je me dis justement, j'ai très peur de cette masse de morts vers laquelle nous allons. Qu'est-ce que nous allons en faire? Comment est-ce que nous allons interpréter la mort? Je me dis que nous entrons dans une époque de conflit d'interprétation sur qu'est-ce que nous allons faire du fait de devoir mourir. Comment est-ce que nous allons mourir? Et j'aimerais privilégier une figure de la mort qui est une figure modeste. Une figure sage, une figure sobre, une figure qui fasse place à la timide espérance, pour reprendre le mot de Peggy, qui fasse place aussi tout à fait d'ailleurs à l'idée que le monde n'est pas fini, que c'est pas parce qu'on meurt, ou même qu'on meurt à non très nombreux, que c'est foutu, que tout est fini, que, etc., qu'il n'y a plus de vie. Et en ce sens-là, je partage tout à fait l'appel à la vie de James et l'idée que le monde n'est pas fini. Il y a ce qui meurt, mais il y a ce qui naît. Cette rupture, ces recommencements, et le fait, pour revenir sur Hannah Arendt, le fait d'être né nous amène à notre tour à faire naître, à prendre des initiatives par la parole, par l'action. Ricoeur d'ailleurs avait cette définition de l'action en lien peut-être avec l'espérance, qui est l'action fait que le monde ne soit pas fini. L'agir fait que le monde n'est pas fini. Si le monde est la totalité de ce qui est le cas, le monde n'est pas fini. Il peut y avoir encore d'autres cas. Il peut encore arriver d'autres choses. Mais ça suppose peut-être de penser ce que j'appelais la timide espérance, justement, comme une figure de la limite, et non pas comme une figure de l'au-delà. C'était cela que je voulais dire, et que sans doute Calvin avait en tête en ne commentant pas l'Apocalypse. Calvin est contemporain de Nostradamus pratiquement. Il faut imaginer que c'est une époque de catastrophe très apocalyptique et dans laquelle l'Apocalypse servait aussi à avoir une sorte de... on sort de ce monde, on va ailleurs. Et je voudrais penser, interpréter l'espérance plutôt comme une figure d'une conversion, non pas à un au-delà, mais une conversion à l'en-deçà. Une conversion... justement, comme je reprends mon mot, qui redescend, qui revient. C'est Moïse qui redescend de la montagne, qui touche une limite et qui revient, qui n'atteint pas la terre promise. Ou c'est Orphée qui revient des enfers et qui revient la deuxième fois sans Eurydice. Il me semble justement que c'est le travail du pardon. Je vais en dire quelques mots quand même. J'avais failli l'écarter complètement alors que le pardon était jadis une des figures centrales, ou plutôt finales, de ma nuit. Là, j'ai parlé de la sagesse, j'ai même parlé de la modestie. La modestie n'est peut-être pas si importante que le pardon, ou que l'espérance. Enfin, la modestie, c'est quelque chose d'important, je crois. Oui, le pardon, quand même. Le pardon, il me semble que l'intérêt dans le pardon, c'est qu'il explore les limites de l'action, justement. Il y a des choses... dans lequel l'action nous échappe. Il y a des limites de l'action. Et en même temps, l'action, une fois échappée, engendre un cycle de représailles.
et donc une sorte d'enflure, d'enflement. Et justement, le pardon arrête cette espèce d'enflure, ce cycle infini des représailles. Et je dirais, le pardon nous aide à revenir au monde ordinaire. Moi, je n'ai pas du tout une conception sublime du pardon, comme quelque chose qui serait déjà un signe de l'au-delà, d'un amour, d'un don qui serait encore une sorte de plus. J'ai plutôt une figure du pardon comme un abandon, comme une perte, comme l'acceptation d'une perte. Il n'y a pas que du don, il y a de la perte, je disais au début de cette nuit. Alors le travail du pardon, oui, il y a un travail encore du pardon, encore du mot travail. Travail du deuil, faire le deuil de l'irréparable, travail de l'enfantement, préparer l'enfantement, et je penserai les deux ensemble. Là encore, je suis proche de ce que vient de dire James. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut faire le deuil de l'irréparable, et il faut préparer l'enfantement. Mais il faut, en préparant l'enfantement, que la simplicité de la vie qui continue, n'efface pas les morts complètement, ne les passe pas par pertes et profits complètement, ne se fasse pas dans, je dirais, en écrasant, en marchant sur les morts, je dirais ce que nous faisons en fait, toujours. Bien, ne le fasse pas sans un mot de sépulture, sans un mot qui dit, qui rappelle les morts. Et d'autre côté, il ne faut pas que la dette envers les morts ne bouche, n'occupe la place aux enfants à naître. C'est pour ça que le pardon, pour moi, rompt avec la dette et avec l'oubli, plutôt avec le ressentiment et avec l'amnésie. L'amnésie, c'est justement, on fait des bébés et ça occupe et on oublie tout le reste, si je peux dire. C'est le bulldozer. Par les bébés, aujourd'hui, nous pouvons faire une sorte de coup de bulldozer par rapport au passé. Il n'y a plus de passé qui compte, etc. Mais l'autre côté, le ressentiment, c'est on enferme, on écarcère les populations dans une mémoire qu'ils ne peuvent que transmettre, et les enfants ne sont pas des enfants, justement. Ils sont, en quelque sorte, encore simplement des successeurs, des prolongations d'un soi qui n'arrive pas, qui ne veut pas jamais mourir, d'une certaine manière, qui ne veut jamais passer. Donc voilà, il me faut, je pense, en même temps, cette double rupture avec l'amnésie, avec le ressentiment, pour faire le deuil de l'irréparable, mais aussi pour rendre au présent, pour rendre le passé au présent, ou d'une certaine manière pour tirer du passé un autre avenir. On peut tirer, le pardon permet de tirer du passé une autre ligne d'avenir. Alors maintenant, le pardon nous ramène au présent, à maintenant, à ce matin, à ici. On laisse tomber tout cela. Désolé, on peut descendre un tout petit peu dans les textes. Avec cette phrase extraordinaire du détachement. Là, j'ai pris un texte sur le détachement qui est un texte de Maître Eckhart. Vous voyez, je donne dans la mystique, carrément, la mystique rhénane. Le détachement parfait n'a aucun regard vers aucune courbure, sous aucune créature, n'est au-dessus d'aucune créature. Il ne veut être ni en dessous ni en dessus. Il veut se tenir en lui-même, par amour ou par souffrance de personne, et ne veut avoir ni égalité ni inégalité avec aucune créature, ni ceci ni cela. Il ne veut rien d'autre qu'être. Mais qu'il veuille être ceci ou cela, non, il ne le veut pas. Car celui qui veut être ceci ou cela, celui-là veut quelque chose, alors que le détachement ne veut être rien. Un texte très curieux, vous voyez, c'est vraiment un texte du détachement. Alors cela, on pourrait le prendre comme un deuil, on pourrait le prendre comme une figure justement de la mort. Nietzsche le dirait comme vraiment un discours d'une volonté de mort. Il veut juste dormir, il veut juste aller se coucher, si vous voulez. Hein. Bon. Mais on peut le prendre dans un autre sens. On peut descendre un tout petit peu. Oui, non, remonter un tout petit peu, là, voilà. Alors, on peut le prendre dans un sens dans lequel, au contraire, c'est le matin, être ici est une splendeur. Être ici est une splendeur. Vous le saviez, oui, même vous, fille apparemment privée de tout, qui pourrissait, noyée au fond des pires rues des villes, ou livrée à la déchéance. Oui, car chacune eut son heure, peut-être moins, quelque chose entre deux instants à peine mesurables à l'échelle du temps où elle exista, pleinement, les veines pleines d'existence. Donc le fait qu'il y ait eu une existence, que chaque existence soit parue à la face du monde, fait quelque chose, je dirais, d'inoubliable. Fait du monde une splendeur.
fait du fait d'être ici est une splendeur. D'une certaine manière, c'est pas Orphée, là c'est les élégies à Duino, mais on voit très bien l'inspiration orphique. Hein, Orphée au sens, justement, c'est Orphée de retour du néant, qui peut dire ça, du retour de la mort, du retour du deuil. Donc, je reviens sur le pardon encore une dernière fois, se délier du malheur, c'est très difficile, hein, ne pas contenir, maintenir la vengeance, mais arrêter le cercle du malheur. Mais même se délier du bonheur est peut-être encore le plus difficile. Parce que, comme le disait Plotin, le mal du malheur, le malheur du malheur, c'est simplement le fait que le bonheur est une fin. Et donc, ce qui est le plus difficile peut-être dans la vie, c'est de consentir à la fugacité du bon. C'est pour ça peut-être qu'on a besoin de ce détachement, mais c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de cette splendeur. Et alors je termine par une figure qui est une figure de, je reviens sur ma sollicitude, qui est une figure à la Kierkegaard. Kierkegaard écrit « Il est magnifique d'être vêtu comme le lys, il est encore plus glorieux d'être le souverain debout, mais la gloire suprême est de n'être rien en adorant. » Donc vous voyez que Kierkegaard est très proche de Maître Eckhart ici, très très proche. « Adorer n'est pas dominer, cependant c'est par l'adoration que l'homme ressemble à Dieu, et la faculté d'adorer en vérité constitue l'avantage de la gloire invisible sur toute la création. » L'image de Dieu, c'est la faculté d'adorer, la faculté d'admirer quelque chose dont on n'a pas d'image. Une autre manière d'interpréter cette sollicitude qui arrête toute comparaison, qui est dans l'effacement de soi, ce serait Schopenhauer. Schopenhauer a fait, dans tout son livre de métaphysique, il a fait quelque chose de magnifique sur la compassion, en disant que finalement, au fond, le cœur de la morale, c'était la bonté, et le cœur de la bonté, il le voit en interprétant des pietas, hein, c'est justement la pietas, c'est la tendresse, c'est-à-dire la compassion pour les êtres. C'est-à-dire, en fait, nous sommes tous le même, d'une certaine manière. Nous sentons ce que sent l'autre, c'est ce que je sens moi aussi. Hein. Donc, on pourrait dire que cette sollicitude, cette abnégation, parce que c'est une forme d'abnégation chez Schopenhauer, espèce de dévouement, est une forme de lucidité, hein, d'extrême lucidité. Justement, l'individu qui essaye de se défendre, de s'immuniser quelque part, il s'illusionne encore lui-même. Peut-être que, en effet, cette espèce d'identité en tous les êtres, du même désir d'être, est peut-être une forme de lucidité. Et peut-être une dernière figure que je veux citer, c'est celle d'Emerson. Emerson, c'est le philosophe de la confiance en soi, c'est le philosophe de l'affirmation, celui qui a eu une telle influence sur Nietzsche, justement, puisque Nietzsche le prenait pour son éducateur, en même temps que Schopenhauer. Et pourtant, Emerson écrivait « Quiconque a plus de docilité que moi me domine, ne lèverait-il même pas le petit doigt? Je dois graviter autour de lui par la force de révolution des esprits. » Et un peu avant, il écrivait « Ces roses sous ma fenêtre ne font aucune référence à des roses antérieures. Elles sont pour ce qu'elles sont. Elles existent avec Dieu aujourd'hui. » Eh bien, je voudrais dire, voilà, il me semble que toute l'humanité humaine se tient entre ces deux temps, le temps pour se montrer et le temps pour s'effacer. Mais pour pouvoir vraiment se montrer sans vanité, il faut avoir été autorisé à s'effacer. Et c'est ce qui est le plus difficile, et c'est ce qui est le moins institué aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous autorise à nous effacer? Quelles sont les institutions qui nous autorisent à diminuer, et pas tout le temps à grandir, à monter, à augmenter? Quelles sont les institutions qui nous autorisent à diminuer? Mais d'autre côté, pour pouvoir vraiment s'effacer, sans honte, se montrer sans vanité, mais s'effacer sans honte, sans humiliation, il faut avoir été autorisé à se montrer. Il faut avoir pu se montrer. Et justement, je pense que c'est une des choses les plus difficiles. Quelles sont les institutions qui nous autorisent vraiment à nous montrer? Qui nous autorisent vraiment à montrer notre splendeur, si je peux dire. Et voilà, il me semble qu'il nous manque encore, aujourd'hui, et ce sera peut-être une figure de la fin, une figure de l'espérance pour moi, un espace dans lequel nous puissions entièrement nous montrer et nous effacer.